En ce moment, on travaille sur des dalles funéraires, donc des pierres tombales. Voilà, il y avait des morts dessous, ça rappelle le souvenir d'un défunt, donc c'est pas non plus anodin. C'est comme une autopsie de l'inscription qu'on fait sur l'affiche. Donc on la décrypte, on l'ouvre cette inscription, tu vois, on en décrit tous les organes. On est aussi passionné par notre sujet, donc on a notre propre émotion déjà personnelle, et voir notre objet d'étude en face, ça c'est aussi, oui, ça procure une émotion. J'ai envie de dire il y a une joie. C'est quand même un métier qui prend toute notre vie, parce que si on devient chercheur, c'est parce qu'on est aussi passionné par notre sujet. Et c'est une passion qu'il faut aussi réguler, parce qu'elle peut être dévorante et prendre tout notre temps. Pourquoi on va aussi sur le terrain? Alors parfois on les connaît sur les livres. C'est l'appréhension justement corporelle et l'échelle humaine. Tu vois, de voir des dalles, voir leur taille réelle, en prendre conscience par leur propre corps, ça, je trouve ça très, très important. Donc là, c'est toute l'appréhension, tous les cinq sens quoi, qui travaillent. Ensuite, quand on va faire le relevé, évidemment, on écrit, parfois on mesure avec nos doigts aussi, nos mains, tu vois, comme ça. Il y a vraiment les cinq sens, ils sont en éveil quoi, quand on va travailler ces objets, parce que c'est leur matériel. Évidemment, c'est le texte qui nous intéresse, c'est l'écriture. Et c'est toute la matérialité, et dans ce sens-là, ça fait appel au corps entier. On regarde pas avec les yeux, on regarde avec le cerveau. On regarde avec ce qu'on a connu, on regarde avec ce qu'on sait. Il y a des choses que je ne vois pas, mais pas parce que je n'ai pas la capacité visuelle ou disons, physique de voir, mais parce que je ne connais pas les choses, je n'ai pas la sensibilité. Et la sensibilité, on la développe. En regardant, en cherchant, il y a un temps qui est très long. Ce n'est pas le temps de la télé, ce n'est pas le temps de Facebook, c'est un temps de poser les choses et de vraiment les regarder. On est là pour les objets, pas pour nous. C'est pas hypnotisant. On continue à faire des réflexions et des hypothèses pour donner une explication à des signes qu'on ne comprend pas complètement. Même à distance de temps, des années, on continue à chercher parfois. Ça revient à l'esprit et on continue. On a besoin de la réponse. Mais je crois que ça, c'est une condition humaine en général. On ne peut pas laisser des espaces vides. On a besoin de le remplir avec quelque chose, même une hypothèse, même si ce n'est pas sûr. La question entre ma tombe, ma plate, et la plate, celle de Clémence, c'est que lui, il a toujours trois. Il a de la place laissée. Ouais, 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 ouais. Et c'est plus tard, c'est 10 ans plus tard. Ouais. Celle-ci. Ouais. Donc d'habitude on les mettait où? On les mettait dans les chapelles, on les mettait également dans la nef. Dans la nef. Dans la nef c'était possible. Oui, oui, bien parce que l'idée est que pour celui-là on a certainement enlevé quelqu'un, on a fait ça et on a inscrit, voilà, pour le faire, il n'y avait probablement plus de place dans l'église. Ouais. Et donc pour lui il y a une place laissée libre, ouais. C'est qu'ils étaient conscients qu'il n'y a déjà plus de place et qu'ils vont mettre quelqu'un dedans, mais ils ne savent pas encore qui. Ça peut être commémoratif surtout pour des femmes. Les femmes elles n'ont pas toujours une plate tombe. Femme barbue. Non, ce que je veux dire, c'est que quand lui a été enterré, ils ont voulu, il a laissé un testament pour commémorer aussi d'autres membres de sa famille, mais qui peut-être n'étaient pas commémorés avant. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on a une concentration de femmes sur les deux tombes. C'est parce qu'il n'y a que des femmes, là. Alors là, il n'y a vraiment que et des femmes. Un homme, et là, il y a des un femmes. Homme et je n'ai pas encore terminé, il me reste encore un petit morceau. Mais proportionnellement, on a toujours moins de femmes. Et d'habitude, quand tu as les deux lignes et tu commences sur celle qui est plus proche de la représentation ou de l'extérieur, quelle est la logique que tu trouves? C'est comme si... Il y a de tout. Ah. Franchement, il y a de tout. Regarde, quand tu vois ça ici et ça là, c'est pas un phénomène d'usure. Hein. C'est que là, c'est pas fini. Et ce qui m'embête plus, c'est que en fait, ce bandeau-là, le bandeau qui est sur le côté, n'est pas du tout gravé comme celui-ci. Donc là, c'est vous qui allez en tirer des conclusions. C'est une autre personne. Attends, autre chose. C'est sculpté, ces traces. Parce que Estelle est arrivée avec une interprétation là. Oui, il y avait une autre effigie en fait. Regarde, tout ça là, ces traits là. Il n'y a rien à faire là. Il y avait autre chose, il a surfacé, il a un peu effacé ce qu'il y avait derrière, mais pas tout. Pourquoi est-ce que l'inscription était là et les bords étaient complètement vides? Ouais, exact. Quatrième contradiction. C'est un palimpseste. Un palimpseste lapidaire. Thank you.
train de vérifier si j'ai bien, tout fait, tous les clichés nécessaires. Avec la mire, sans la mire, avec le numéro, sans le numéro. Ici, il y a les traces d'un outil. Le graveur a attaqué la pierre dans ce sens-là. Ensuite, il est revenu graver ici. Et après, la finition est un petit peu perfectible. Là, cette partie-là est bien faite. Mais s'il avait voulu avoir vraiment une lettre parfaitement bien finie, il suffisait d'enlever un petit peu de matière ici. C'est un bloc qui a été a priori donc extrait. Le parement, la surface, en fait, avec le type de pierre qu'on trouve localement, ils n'ont pas besoin de surfacer le parement. On ne voit pas de traces d'outils sur le parement. Il y a uniquement des traces d'outils sur le côté. Ici, les traces d'un outil grain d'orge, les petites pointes de l'outil. Et là, il est venu agir ici, donc on voit l'outil qui mord la pierre et qui s'arrête là, au niveau des pointes. Le tailleur de pierre était sur le côté et a taillé son bloc comme ça. Et on enlève de la matière plutôt en V, de telle sorte que les filets qui soient ici soient eux bien droits. Et que si on a besoin de la poser dans le sol, en fait, le fait que ce soit en V comme ça, quand on pose le bloc de pierre dans le sol, ça permet d'avoir les angles qui, eux, sont bien propres. Oui, qui, mais... Peut-être qui, des... C'est un verbe pour la mort. Au Moyen-Âge, le latin, mais encore plus le français, il y a une variation graphique. Pour un même mot, on peut trouver, là on le voit, là, le mot âme, il peut s'écrire arme. En fait, l'orthographe n'existe pas. D'accord ? Il n'y a pas d'orthographe, il y a des graphies. Et c'est très difficile, notamment quand on crée un dictionnaire du français du Moyen-Âge, c'est qu'il faut rentrer toutes les variantes. Deux, point, grâce, oui. Espouse. Oui, espouse, avec un les beau Z là. Ouais. Qui est très français d'outre-mer. Ah, ok. Ouais. Une lettre comme celle-là. Non, la forme, un Z dans le mot espouse. Ah, je crois. Ok. Point. Deux. Deux. Point. De messire. Ouais. Pierre. L'aiglet. Qui trespasse ça? J'ai fait la trace de la trace d'un pauvre ou d'un pauvre. Je sais pas. Mais il est comme les autres. Oui, X, V, A, I, I, I. Donc le 18. I, O, R, S. Le 18e jour. V. Mais les jours, c'est I-O-R-S. Jobs. Est-ce que tu veux... Oui, oui. Est-ce que tu vois une Y... Non. Y, non. Non. I-O-R-S. Oui. Ok. Deux. Oui. Ça se fait A. Là, tu as une lettre suscrite. D'avril. D'elle. Oui. Ah, d'avril. D'avril, okay. T'as le V. Ok, dans le ok. C'est conjoint. D'avril. C'est l'an. L'an, t'as le, ouais, le tilde ouais, pour ouais. Le N. Mm-hmm. Deux. M, C, 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 X, L, V, I, I, I. Deux. De Christ, peut-être. Oui, oui. Dieu. Dieu. Oui. C'est E. E. A, I, T. Oui. L'arme, amen. Voilà. Okay. Là, ces pierres sont très normées, c'est-à-dire qu'on dit d'abord ici J, on parle de la position du défunt dans la tombe, l'état actuel, c'est un présent, il est dans la tombe. Ensuite, on parle de son passé, c'est-à-dire du moment où il est mort, et on va donner la date. Là, on est vraiment dans le passé, il est mort. Parfois, on nous raconte un peu sa vie quand il y a un peu plus de place, quand c'est moins codifié, quand c'est des personnages importants, un évêque, un prince, quelqu'un qui a occupé une place, on va donner sa fonction, des adjectifs qui le qualifient, qui le mettent en valeur. Et puis, la dernière, il y a trois parties vraiment dans ces épitaphes. La dernière partie,
c'est de l'avenir. C'est dans l'au-delà. On confie son âme à Dieu, mais pour le salut éternel.